La carte CEDEAO, c'est le système d'assurance qui a été mis en place par les chefs d'État et de gouvernement en 1982 pour compléter le dispositif d'intégration et de libre circulation des biens et des personnes. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la carte brune est vendue systématiquement à tout Ivoirien possédant un véhicule automobile qui s'assure en responsabilité civile. Automatiquement, on vous donne une carte brune moyennant 1000 francs. Et cette somme nous permet, selon l'arrêté du ministre de l'Économie et des Finances, nous permet de prendre en charge toutes les victimes issues de la circulation transfrontalière, c'est-à-dire un accident impliquant un véhicule étranger, soit en Côte d'Ivoire, soit qu'un Ivoirien possédant la carte brune commet un accident à l'extérieur. Automatiquement, il doit être suivi par le Bureau national de l'extérieur pour le compte du Bureau national ivoirien. S'il y a eu paiement là-bas, il s'adressera à nous pour le rembourser. C'est aussi le cas de la Côte d'Ivoire. Si un véhicule étranger commet un accident ici, nous avons le devoir d'indemniser très rapidement la victime et puis maintenant nous retourner contre le véhicule dont est le pays dont est originaire le véhicule. Donc pour tout accident, pour toute victime issue d'un accident transfrontalier, il faut saisir le Bureau national de la carte brune. À travers vous, les journalistes, c'est la population ivoirienne qu'on veut sensibiliser pour qu'elle sache qu'il y a un bureau de carte brune, pour que les usagers sachent qu'aujourd'hui, faire un accident contre un véhicule étranger n'est pas synonyme d'abandon. Aujourd'hui, il y a un bureau national. Il n'y a qu'à s'adresser au bureau national pour que, si vous avez subi un dommage, vous soyez pris en compte pour votre indemnisation. C'est aussi pour la population. La population doit savoir aujourd'hui que s'il y a un accident avec un véhicule étranger, il n'y a pas de souci à se faire pour se faire indemniser. Donc, il n'y a qu'à saisir le bureau national et puis vous serez indemnisé. C'est le message important qu'on voulait passer ce matin.